L'année scolaire est arrivée à son terme, mais pourtant les enceintes des différents établissements scolaires de Libreville ne désemplissent pas. C'est le cas à l'Institut Immaculée Conception, où l'on peut encore apercevoir les élèves inscrits en classe de terminale, camper dans la cour et occuper les salles de classe. À quelques semaines du bac, ces candidats se préparent comme ils le peuvent pour aborder cet examen mythique dans les meilleures conditions possibles. Confiants et sereins, ils se disent prêts pour le jour J. J'estime que ce n'est juste une chose qui se passe dans la tête, parce que pour moi je me sens prêt. J'estime que les conditions sont bonnes parce que nous sommes maintenant dans un environnement où il n'y a que nous. Alors toutes les conditions sont maintenant réunies, nous sommes au terme de l'année, il faut bien que l'on prouve ce qu'on en a assimilé tout au long. Et ben, comme l'a dit mon camarade, je pense que les professeurs nous ont bien formés. Donc on se sent prêt, toujours avec un peu de stress, mais ça ira, j'en suis sûr. Ici, chacun a sa méthode pour évacuer le stress. Beaucoup se rappellent encore des conseils prodigués par les enseignants tout au long de l'année. Il y a un peu de stress, comme le disait ma camarade, mais sinon ça va. On nous met dans les conditions d'examen à chaque fois. On nous prépare psychologiquement et on nous fait comprendre que c'est comme les devoirs de classe. On ne doit pas se mettre en tête que c'est l'examen, il faut stresser, non. En tout cas, on est confiant. On a confiance en nos professeurs, on a confiance en eux. On sait qu'ils nous ont bien formés, donc on se sent prêt. Ils sont résolus à boucler cette année scolaire en beauté avec en prime le bac en poche. Cette perspective qui fait sourire les visages candides de ces jeunes postulants devra également les pousser à fournir encore plus d'efforts et de concentration pour obtenir le sésame.